Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo parce que j'ai reçu un colis de la part de Lang, une box comme j'avais eu il y a quelques mois, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, c'était pour vous montrer le contenu de cette box avec les nouveautés de leur fil, les nouveautés printemps-été 2019. Donc ça c'est le carton qui contient toutes les petites surprises que j'ai eues. Et alors, à l'intérieur, il y a une petite carte, voilà, une autre petite carte, mais celle-là c'était avec un petit mot derrière, un stylo, donc c'est la marque Bouladix de Lang, un petit catalogue, alors je vous montrerai après ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des modèles que j'ai repérés là quand j'ai enregistré mon épisode de podcast qui était vraiment sympa. Alors quand j'ai ouvert tout au début, je suis tombée tout de suite sur celle-là, le jaune que j'ai trouvé très très sympa. Et en fait, toutes ces pelotes-là, ce sont des pelotes de la même qualité, la qualité Sunshine. Et c'est du 100% coton. Donc c'est un peu brillant. Alors là, je vais les sortir, donc ça va être encore plus brillant à cause de la lumière. Mais voilà. Donc il y a ce jaune qui est vraiment chouette. Après le jaune, j'ai flashé sur ce bleu. Il est très 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 beau. Le vert. Bon, j'aime toutes les couleurs. Le rouge. Et le gris. Je trouve c'est là les 5 couleurs, je les trouve vraiment magnifiques. Ensuite, il y a une pelote de cette qualité-là qui est Happiness. C'est un fil très particulier. Alors, c'est pas du 100% coton pour celui-là, c'est du 65% coton, 35% nylon. C'est très particulier, c'est très doux, c'est très moumou, c'est dufteux, c'est... Et le fil, vous voyez, il est plat et il est comme ça. Enfin, c'est bizarre, hein? Voilà, donc très très particulier. Mince, pardon pour le bruit. Et il y avait aussi deux paires d'aiguilles circulaires, une en 5 mm, l'autre en 6 mm, les deux des aiguilles de 80 cm. Voilà, j'étais super contente. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu ce qu'il y a dans le magazine. Donc déjà je vous remonte ces pelotes là, enfin les coloris, ils sont chouettes quand même. On est vraiment sur des couleurs chaudes, enfin c'est sympa hein, quand même hein, pour l'été. Donc là on est sur de la fingering, hein, 95 mètres pour 50 grammes. Alors que l'autre, on est sur un fil plus épais, mais pas si épais que ça, puisqu'on est à 135 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un petit peu plus fin que de la DK, quand même. Hein. Je m'attendais à plus gros. Dans le magazine, donc vous la dicte. Alors moi je suis pas très coton parce que justement j'ai tendance un peu à imaginer surtout des débardeurs comme ça en coton, ce que je porte peu. Mais tout à l'heure, j'ai vu des modèles qui étaient chouettes. Voilà, celui-là avec couture apparente. Alors, soit... Non, je pense qu'il y a des coutures et en plus de ça... Ou alors, c'est fait sans couture et en plus de ça, on ajoute cette partie-là. Celui-là, donc en sunshine, donc avec les petites pelotes, là. Là, un débardeur. Donc là, j'ai plus de mal. Ça c'est sympa, c'est en Happiness, donc avec le gros fil que je vous montrais là, enfin le gros fil, hop, celui-là en haut à droite. Là on est en Sunshine, Happiness, voilà, toujours un petit débardeur. Ah, il est pas mal ce pull. Happiness. Hop. Ah, du crochet. En sunshine.
tous les modèles qui sont tu me montrais juste avant. Ah bah là on retrouve les couleurs un peu plus vives de que j'ai reçues. Un pull. Un petit débardeur, donc un peu plus de mal pour moi avec ça. Un châle avec des grandes franges. Un gilet. Et sympa aussi ce gilet, mais c'est pas celui-là que j'ai repéré. Un pull en point mousse. Et ce gilet. Alors, il est tout bête, hein, il est tout basique. Mais la couleur, là, le bleu. Que vous voyez en haut à gauche, il est tellement beau, tellement lumineux que ça rendrait trop bien. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, c'est fait en comme ça, c'est fait avec ce bleu-là, mais on voit pas le brillant du fil sur ce petit bout. Donc là, un petit débardeur. Un petit bonnet. Ah, pas mal aussi cette veste avec des grandes torsades comme ça. Là, c'est en happiness, donc avec le fil plus épais. Est-ce que je vais réussir à vous montrer la suite? Oui. Il est sympa aussi celui-là. Surtout qu'en plus, en ayant touché le fil, tout duveteux et tout, on imagine se mettre dedans. Clairement. Voilà. Hop. Et après, on refait le truc. Il montre l'ensemble des projets. Voilà. Donc vraiment très contente. Donc merci à Langue de m'avoir envoyé ça et de très jolis fils, de très jolis fils pour cet été du coup. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain pour le prochain épisode de podcast.